Un petit clin d'œil depuis l'Australie où je suis arrivée en ce dimanche 12 novembre et plus précisément de Canberra. Et encore plus précisément, vous le voyez devant moi depuis le lycée franco-australien de Canberra. Un très beau lycée, le lycée Telopea. Il se trouve que ce lycée se trouve à quelques dizaines de mètres de l'hôtel et des institutions qui vont recevoir cette semaine la délégation, une délégation de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à laquelle j'appartiens. Et nous sommes de nombreux parlementaires présents ici pour discuter avec notamment nos hôtes australiens de ce que l'OTAN pourrait apporter à cette zone indo-pacifique. Un sujet qui attire notre attention puisque la France en fait est sur une position un peu différente et considère que dans OTAN on n'entend pas le mot pacifique et l'OTAN doit se cantonner au sujet euro-atlantique. Donc je suis impatiente de voir ce qui va se dire. Je suis impatiente également de porter cette voix française et puis je ne manquerai pas de vous tenir informés des retours, des analyses que en fait cette délégation. Et puis j'ai une pensée pour tous nos Français d'Australie. Je prolongerai de 24 heures mon séjour à Sydney pour avoir l'occasion éventuellement de vous rencontrer. Ça sera vendredi prochain et samedi prochain. Donc le vendredi 17 et le samedi 18 au matin novembre. À très bientôt.